Wow, mais c'est incroyable. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce banc. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant sur cette vidéo et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ce que nous verrons de cette vidéo, franchement, ça m'étonne. Mes frères et sœurs, si vous avez vraiment besoin de réussir ou encore avoir beaucoup d'argent, c'est simple, travaillez dur. Travaillez soit dans la légalité, soyez dans la légalité et puis Dieu va vous aider. Mais il y a un autre moyen que les gens sortent d'emprunter, malheureusement, qui est un moyen facile, qui les conduit même à la mort. Une mort soudaine, les gens meurent jeunes. Ah! Ici, nous allons voir un truc bizarre. On nous dit même que c'est un bouteur nigérien qui va juste mourir d'une façon mystérieuse. Comment va-t-il mourir? Vous serez même surpris parce que vous allez voir. Ah! Mais avant, laissez-nous vous montrer ce qui se passe dans le game. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur notre chaîne aussi. Quelques questions sur vous maintenant, à laisser la base d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne, Nyangsrebonne 2, Nyangsrebonne 3 et NyangsTV. Et maintenant, partagez cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent être informées de ce que vous allez même voir ici. Ça a été incroyable. Suivez-nous. Est-ce que c'est fait? Est-ce que vous avez partagé cette vidéo? Si c'est fait, c'est extraordinaire. Grâce à vous, beaucoup de personnes sauront ce qui se passe même quand on décide de désobéir à Dieu et de s'attacher au démon de l'argent, le démon mammon. Regardez ça. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Comme vous le voyez à l'écran, il y a quelque chose d'anormal qui se passe juste ici. C'est un mystère. Cet homme, comme on nous a dit, c'est un bouteur nigérien. Et cet homme, tout à coup, il a commencé à avoir des problèmes. Et ce problème-là, l'a conduit quelque temps après à ce niveau-là. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il a tout de rigoler avec nous? Mais frère, c'est sûr parce que c'est de la blague. Soyez prêts à voir ce qui va se passer ici. Maintenant, nous allons vous montrer un truc qui va vous aider à comprendre ce qui se passe clairement dans le milieu. Vous serez même surpris parce que vous allez voir. De toute façon, ce n'est plus caché. Même dans la vidéo précédente, nous avons montré ça. Cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo sur l'écran ici, où vous verrez des brouteurs qui sont juste devenus fous. Ils sont devenus fous, ils ont été frappés de folie. Et ils ont commencé à faire des trucs bizarres. Cette vidéo apparaîtra sur l'écran ici à la fin de cette vidéo. Vous pouvez voir de vos propres yeux. Voici juste un bref aperçu de ce que vous verrez à l'intérieur. Regardez ça. Waouh! Un homme qui a beaucoup d'argent comme ça, qui se retrouve quelque temps plus tard à ce niveau, frappé de folie. Et c'est pas de la blague. Les jeunes gens sont en train de faire de n'importe quoi aujourd'hui pour avoir de l'argent rapidement. C'est de l'argent facile. En même temps, de l'argent mystique. Selon vous, combien y a-t-il ici? C'est plus de 40 millions. C'est plus de 40 millions de dollars. Que vous voyez même là sous vos yeux. Vous vous trouvez dans une chambre d'hôtel. Juste là, comme ça. Mes frères et sœurs, voici ce que les gens sont pour nous faire. L'argent facile aujourd'hui. Le diable, pour vous donner de l'argent, c'est pas dur pour lui. C'est même facile. Quelle que soit la somme que vous avez, il peut vous en donner tout de suite. Mais ça sera à un grand prix, au prix de votre âme. Regardez ce que les gens sont en train de faire. Pourquoi y a-t-il tant de photos comme ça, des gens présentant de l'argent? Ah! Est-ce qu'il est facile d'avoir de l'argent aujourd'hui? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? On n'a pas du problème d'emploi. Mais on se pose la question, mais comment les gens arrivent-ils? Surtout les jeunes, comment les jeunes arrivent-ils à avoir de l'argent aussi rapidement? Que font-ils? Quelle est la source de revenus? Franchement, ce qui est en train de se passer de jour en jour fait de plus en plus peur. Mais si vous avez peur, c'est intéressant, c'est normal. Mais ce que nous allons même vous montrer, même là maintenant, ça risque de vous choquer. Si vous savez que vous serez choqué, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Parce que cette vidéo, c'est pas pour les enfants. C'est un truc spirituel.
Ce jeune homme, avant de vendre l'âme, il va faire ça. Regardez ça. Il est tout simplement en train d'aboyer. Il est tout simplement en train d'aboyer. Et une personne étonnée par cet événement a commencé à filmer. Vous savez, les gens ont leur portable et ils filment à tout moment. Il est juste en train d'aboyer comme ça. Il aboie. Quel âge vous lui donnez? Et le prêt de son véhicule apparemment. Vous voyez? Mon Dieu! Un homme qui aboie. Est-ce qu'il est en train de rigoler? Est-ce que c'est l'épilepsie? Qu'est-ce que c'est? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne saurait ce qui se passe. Et vous regardez ce qui va se passer plus tard. Il va finalement rendre l'âme. Et les gens vont commencer à courir. Les gens vont commencer à fuir. Même celui-là qui a été filmé. Vous devez partager cette vidéo pour prévenir les gens. Si vous avez besoin d'argent, travaillez dur. C'est le seul moyen. Les jeunes mettent tout. Voici. Mes frères et sœurs, si nous vous montrons toutes ces choses, c'est pas pour vous faire peur. C'est pour juste pour vous dire. Le corps vaut mieux que le vêtement. Le corps vaut mieux que le vêtement. La vie vaut mieux que l'argent. Que sait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Quand il y a beaucoup d'ailleurs, tout de suite comme ces jeunes hommes, comme nous venons de vous montrer. Tout le monde qui voit nous, les gens se collent à vous comme ça. Ah! Mais si vous êtes vilain, on dit, tu es joli, vous êtes joli. Mais finalement, comment on devient? Il est toujours en train de faire de telles scènes. Regardez. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Même pour votre enfant que vous aimez beaucoup. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour quelqu'un que vous aimez bien? Mes frères et sœurs, si ce n'est pas le cas, c'est pas ce que vous souhaitez pour les gens. Changez de comportement. Ne cherchez pas la voie facile. Accrochez-vous à Dieu. Dieu va vous montrer le chemin de la réussite. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider. Même si c'est dur, bats-toi. Tu vas y arriver. Imagine, ce gars, avec tout cet argent qu'il a eu, par exemple, avec ce que nous voulons de vous montrer, et il meurt jeune comme ça, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Même si vous avez peu, même si vous payez 100 euros par mois, avec les 100 euros là, si vous vivez jusqu'à 40 ans heureux avec vos enfants, est-ce que ce n'est pas bon? C'est mieux. C'est mieux. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, tu aimes du garba, le garba, oh! De la tchèque avec du poisson! Mon frère, il est préféré de prendre tes 200 ou tes 500 pour aller acheter du garba pour manger petit à petit. Au lieu de passer par les mauvaises voies pour aller acheter du. Alors, pour avoir de l'argent et puis manger du hamburger, de dormir dans les hôtels 5 étoiles et mourir jeune comme ça. Mais regardez-vous-même. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Il est mort, il est en train de mourir. Regardez. Et les gens sont même en train de fuir. Tous ceux qui vous applaudissaient là, ils vont vous fuir. S'il vous plaît, n'entrez pas de telles choses. C'est le moment de faire peur. Que Dieu nous donne longue vie aujourd'hui. Mais nous, faisons de bons choix. Ils vont vraiment nous aider. Les pactes avec le diable finissent toujours mal. Faites attention. J'ai vu même un artiste, une star de la musique. Cette star du rap a tellement fait du show dans son pays que tout le monde criait son nom partout. Mais à un moment donné, cette personne a pu arrêter de chanter. On ne sait plus pourquoi elle ne veut plus jeter de chansons. Personne ne savait qu'elle était devenue folle. Les 7 stars de la musique, 7 stars du rap dans son pays, au Togo, elle est devenue folle tout de suite. On ne sait plus ce qu'elle est maintenant. À quoi ça lui a servi d'avoir tout cet argent, toutes ces voitures? Et à quoi lui a servi le fait qu'on crie son nom dans les marquis, même à la télévision? Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Les gens doivent savoir ça. Ça m'étonne. Ne courez pas après l'argent. Laissez l'argent courir après vous. C'est mieux. Ainsi, vous aurez l'enfant. C'est parti.